Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir ChatGPT. Je clique donc en haut sur ChatGPT. Je vais poser la question sur Saint-Palais. Saint-Palais. Saint-Palais-sur-Mer. Saint-Palais-sur-Mer is a charming seaside resort located on the southwestern coast of France in the Nouvelle-Aquitaine region. It's known for its beautiful beaches, picturesque coastline, and pleasant climate. What are you interested in knowing about Saint-Palais-sur-Mer? Pouvez-vous me parler en français? Bien sûr. Saint-Palais-sur-Mer est une charmante station balnéaire située sur la côte sud-ouest de la France, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Elle est réputée pour ses belles plages, son littoral pittoresque et son climat agréable. Que souhaiteriez-vous savoir de plus sur Saint-Palais-sur-Mer? Connaissez-vous le pont du Diable? Oui, je connais le pont du Diable. C'est un pont médiéval en arc situé à proximité de Saint-Palais-sur-Mer, en France. Il enjambe la rivière Giscours et est un exemple remarquable d'architecture ancienne de la région. Le Pont du Diable est un site historique intéressant à visiter pour découvrir le patrimoine local. Non, je parle du Pont du Diable à Saint-Palais-sur-Mer. Je m'excuse pour la confusion. Le Pont du Diable à Saint-Palais-sur-Mer est en fait un rocher imposant qui émerge de l'océan Atlantique. Il est souvent utilisé par les pêcheurs et les amateurs de sports nautiques comme repère. Ce site naturel offre également de superbes vues sur la côte et l'océan. Avez-vous déjà eu l'occasion de le voir en personne? Oui, mais comment peut-on s'y rendre? Pour vous rendre au Pont du Diable à Saint-Palais-sur-Mer, vous pouvez suivre la promenade du front de mer depuis le centre-ville. Cette promenade longe la côte et offre de belles vues sur l'océan Atlantique. Vous pourrez facilement repérer le pont du Diable au large sur votre gauche. Vous pouvez également accéder à certaines parties de la côte rocheuse en empruntant des sentiers pédestres depuis la plage de Saint-Palais-sur-Mer. Assurez-vous de porter des chaussures appropriées car certaines zones peuvent être rocheuses et glissantes. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. De rien. N'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions à l'avenir. Passez une excellente journée. Merci. De rien, à bientôt.